Bienvenue tout le monde. On se fait un autre live à soir. Phasmophobia. Bon. Tout le monde arrive, j'ai un black screen, tombe bien. Ok, bon, on va quitter. Drôle de petit bug. Donne-moi une petite seconde, on va starter ça. Et on repart ça. Donc, comme je disais, on va se partir un petit Phasmophobia. On rejoue ce soir avec Hakanda, avec qui j'ai fait mes deux autres lives. On a eu un lundi aussi qui s'est fait. Ça, c'était avec Blackbeard sur notre chaîne. Donc, on va se réessayer de réussir à trouver, à enquêter, découvrir quel type de fantôme on a affaire. Ce qui peut être un bon début. Bon, parfait. Là, ça marche. Là, j'ai une image. Yes, sir. Donc, bon, niveau 2. Yes, sir. Hockey. Hockey dans le chat. Ça ici, on va baisser le son, mais c'est vrai que ça pète pas les oreilles à personne. Perfect. Je vais. T'es-tu là, Hawk? Yes, sir. Je vais t'inviter. Ouais, je vais faire de quoi? Moi, t'inviter, puis je vais te montrer des petits trucs cachés dans le jeu. Moi aussi, j'ai fait un peu mes devoirs. J'ai regardé quand même quelques tutoriels. Ouais, non, non, mais où qu'on est, là, je vais vous montrer des petites affaires cachées. Donc, mot de passe. Ben, mot de passe. Le code, c'est 768387. Bon, Joanie, même pas peur, ça y est. Elle commence à même pas peur. Les amis, what's up, les nerds? Yes, sir. What's up, what's up? Je vais vous montrer de quoi tout le monde. Vous regarderez bien l'écran une fois que Hawk va nous avoir rejoint. Yes, sir. Tu peux te déplacer, là. Tu viendras me voir. Si on a un policier. Fait que je vais te montrer trois petites affaires que j'ai découvertes. Tu me vois, mon bonhomme? Yes, sir. Ouvre la case ici. C'est sûr que c'est pas du squelette dans le placard, ça. Ouais, ça c'est le squelette. Maintenant, mets-toi où je suis, regarde devant toi ou le tableau, regarde au-dessus de toi. Ah, il y a un petit ghost ou je sais pas trop quoi qui est là en train de nous fixer. Puis la dernière affaire que j'ai découvert, tu vois la porte devant moi? Ouais. Alors, regarde dans le crack. Pas grand chose. Colle-toi et avance, faut que tu essaies de voir en dedans. Tu vois rien? Ouais, j'ai vu. Je suis juste retenu de pas m'exprimer verbalement. That's what she said. Ouais, c'est ça que Joanie a mis. Puis on peut jouer avec ça. T'as-tu eu peur, Joanie? C'était juste un genre de fantôme là, qui était là. Un genre de fantôme qui se pend dans notre face. Là. Comme le petit fantôme qui est là. Ouais, c'est les trois que j'ai découvert. J'ai rien découvert d'autre. Ça, c'est toutes les photos qu'on a faites à la date. Ça, c'est la fois que t'es mort, t'as pris les photos. Mais clairement, on n'a rien Moi, je vu ces pense que photos. c'est les cinq dernières photos. Ouais. Ouais, ben, il se passait rien, Joanie. C'était juste, on a regardé dans le coin, puis un genre de fantôme qui nous popait en pleine face. Là, juste pour nous faire peur. Bon, ajouter, on va mettre tout. J'ai quoi comme cash acheté? J'ai 15 piastres. Je vais regarder mon cash. Parce que sinon, ce que je peux acheter, c'est une bougie, un bâton d'encens, du sel, j'en ai déjà acheté. Non, on va garder notre cash. On essaie ça une autre maison. Faut essayer un nouveau. On Je a resserrai une fois celle-là. une dernière fois. Ouais, je sais pas, tu veux-tu racheter de quoi, là? Perfect. Ben, Je suis riche. tu veux? Ben, achète-toi ce que tu veux, puis on va voir si t'as plus que moi dans ton compte. Ouais, j'ai 15 piastres. Ouais, je pense que j'ai 60, quoi. Ok, ben achète des cossins, puis je vais voir si je peux les ajouter. Ou si toi, tu peux ajouter, je sais pas si t'as accès à influencer. Parce que là, j'ai vu qu'on est mieux de se promener avec un lecteur EMF en partant et un Ouais. thermomètre. Ouais, le thermomètre, lecteur EMF, la radio, l'avoir tout le temps ouverte, parce que même si on pose pas de questions, ils peuvent nous parler au travers de temps en temps.
Puis c'est vrai, j'ai vu que pour que la radio fonctionne, il faut que les lumières soient fermées. Ouais, ça fonctionne dans le noir. Pendant au moins 2-3 secondes. Ok, bon, ça on va le tester. Une autre chose que j'ai appris par Blackbeard, au lieu de la lampe de poche, on peut s'acheter des caméras frontales. Les caméras frontales comptent comme une lumière, mais l'avantage c'est que ça prend pas un espace dans tes mains, fait que tu peux prendre trois objets pareils. Fait qu'on aura une lampe de poche plus un objet de plus. Fait que, t'as-tu acheté des cossins? Je vais voir si je peux les ajouter. Ouais, je voulais acheter la caméra frontale, mais RIP, je dois être niveau 8. Ouais, il faut un exprès, sinon on aurait du bon stock tout de suite. Ben, tu sais, même pour ta game, achète-toi une autre lampe de poche, au pire, ou... Non, mais je pense que je vais acheter une caméra. Une caméra, ok. Ouais, deux caméras, ça serait bon, on peut le placer. Ouais. Fait que dis-moi quand c'est fait, je vais essayer de le... voyons. De l'ajouter pendant ce temps. Excusez-moi, pendant ce temps-là, je suis en train de poster sur notre Discord le live. Il devrait être là. Ouais, 2 sur 6. T'as réussi à l'ajouter? 2 sur 6 caméra vidéo? Ben oui, toi. Ouais. Fait que, ah, bon, c'est bon de savoir que tout ce que t'achètes. Fait que si on joue tout le temps ensemble, on peut acheter ce qui complémente l'un l'autre. Puis, la question de ne pas mourir. Ouais, toujours, toujours pratique. Fait que... Perfect. Bon, ça c'est bon. Je vais juste checker quoi. Ça c'était pas gay. Parfait. Bon. Fait que bienvenue à tout le monde qui nous regarde. On est avec un autre Phasmophobia. Fait que ça t'est prêt. Moi je vais être ready. Fait que tu feras ready quand toi tu le seras. Perfect. Démarrer. Fait qu'on réessaye la maison qu'on a faite la dernière fois. Pour une dernière fois. Puis ensuite on va s'attaquer à une nouvelle maison. Yes, sir. On start ça. J'attends juste que Hawk apparaisse. Mon jeu peut pas loader. Ton Il jeu. Veut pas que je meurs. Ouais, c'est ça. Vous ne pouvez pas loader. Ah, ben. Parmi ceux qui nous regardent, s'il y en a qui ont déjà joué à Phasmo, n'hésitez pas avec vos trucs. On est en train d'apprendre. On a même commencé à faire une petite recherche sur le net. Pas qu'on aime pas ça mourir, là, mais. C'est ça, je voulais faire. Je voulais mettre un timer sur mon Stream Deck de 5 minutes. Oh, te voilà. Ouais. Perfect. Aussitôt qu'on rentre, on a 5 minutes pour courir comme des poules pas de tête partout. Ouais, avant qu'ils puissent nous attaquer. Fait qu'on court, on crise les caméras, on check tout ce qui peut être détecté. Il faut juste trouver la pièce, là, ouais. Ouais. Atteignez une santé mentale moyenne en dessous de 25%. C'est bon, ok. Faites marcher un fantôme dans du sel, ça peut se faire. Prendre une photo du fantôme. Le fantôme s'appelle Jason Thompson. Il semble également répondre à tout le monde. Vous devriez pouvoir utiliser son nom pour le mettre en colère et avoir une activité paranormale. Fait que lui, il répond à tout le monde. Fait que on n'a pas besoin d'être dans le noir pour y parler. Fait que si on se promène avec la radio, d'après moi, on va être capable de l'influencer. Donc, on va prendre ça. Je vais commencer une lampe de poche, toujours une bonne affaire. Je vais prendre les deux caméras, je vais aller les installer tout de suite. Ben, tout de suite, mais qu'on part. Puis, si tu veux, toi, t'as pris le thermomètre. Okay. Fait que je vais revenir avec le lecteur EMF. Ah, ben, quoique, non. Je vais te dropper une caméra. Ouais. Elle est à terre. On l'installera tout de suite à l'endroit qu'on est. Lecteur EMF, ça c'est bon, UV. Le bâton de lumière que tu as acheté, c'est comme une lampe UV aussi. Sauf que ça peut être pratique quand on est dans un endroit assez gros. On peut se faire des petits repérages de même. Fait que là, la caméra, c'est toi qui l'as mis ça? Ouais. OK. Là, c'est quoi que t'as comme objet à part thermomètre, lampe de poche? C'est ça, il m'en reste un à choisir. Ah, ben, au pire, prendre la caméra. On va les installer tout de suite en rentrant durant 5 minutes. Moi, j'ai l'autre caméra. Faut qu'on trouve le bon spot. Ouais. Hey Chop, ça va bien? On joue à Phasmophobia, on t'invite à venir jouer avec nous autres, puis ça se joue en VR en plus. Ok, tu prête? Moi je suis prête. Prête, pas prêt, j'y vais. 5 minutes de partie. Yes sir, oui ça va Chop. Retour au travail n'a pas été trop dur. Bon. Ben, on go. C'est go, go, go! Fait que moi le MF, j'ai rien.
Vu qu'on sait qu'on a 5 minutes avant de se faire écœurer. Prendre des photos là, comme un os à terre, n'importe quoi. Si on prend une photo avant de le ramasser, ça nous donne du cash. J'ai Ouais, découvert c'est ça. payant. Oh, Ouija. J'y toucherai pas cette fois-là. Oh, j'ai pas. On va prendre une photo du Ouija au peu tantôt. On va voir si ça fait quelque chose. Faut un Kodak. Ouais, on a un Kodak. On va venir chercher après. Ouais, je vais peut-être pas ouvrir toutes les lumières. J'ai su aussi que si on prend une. Voyons. C'est comme l'autre fois, on avait une. Allez Tabarnak! là. Joanie, tu m'as fucking eu sur celle-là. Elle a fait Ah. jouer Already Done Fucking Fall, fait un saut. C'est-tu toi qui as allumé les lumières dans le fond de la. Les chambres? Ok, Ouais, ouais, c'est moi, parfait. je suis. À date, j'ai rien, ça Ok. s'enligne pour être le sous-sol. Ouais. Le garage, as-tu checké le garage? Ouais, c'est moi qui ai touché à la porte. Non, Ok, oh, ok. 12, 12. 9. Ouais, ben il y a le Ouija dans le 5. coin en arrière, fait que. Ici? Ouais, il est dans l'autre pièce, à la même place qu'il était l'autre fois. Si tu veux, je vais mettre une caméra ici. Je vais l'installer. Neuf, Je sais pas si je vais voir quelque cinq, chose ici. neuf, De même. Paye ce mauvais piton. non, on est correct. Ça descend pas en Ok, bas. la Ben, caméra. J'ai placé la caméra dans le coin du garage. Tu un veux flasher. mettre une caméra ici, au pire, là, qu'on va pogner ce qui est là, où que je suis comme Ouais, face à parce là-bas. que d'après moi, il est dans le garage. Là. Ok. Ben ça, j'ai mis une caméra dans le garage. Là. À date, le lecteur MF, il est fuck all. C'était quoi pour la pivoter la caméra? Tu pèses le left click pour la pivoter, puis F pour la positionner. Left click. Fait que, Whitechap, le retour à la job a pas été trop difficile. T'as ton retour de vacances. Ouais, mais ça a l'air qu'on peut bouger les objets. C'est comme le toutou, admettons que c'est son jouet, là, on peut le déplacer, puis ça peut le crisser, peut le mettre en crisse. C'est sûr qu'elle ferme une porte. Non. Ok, c'est pas moi non plus. Ah, ben il y a Je ça. tiens. Ah, ben c'est peut-être toi en ouvrant ça ici, là. Ouais, peut-être. Ok. Ça, c'est bon. On descend bas. Yes, sir. Ouais, on fait attention au nombre de lumières. Il y en a beaucoup avant que le breaker saute. Breaker est en bas, by the way. Ok. Je vais ouvrir l'autre porte ici. Oups. Ah. Toi. Non, il est dans le garage. Dans le garage. Ok. Je vais checker s'il y a un objet ici. Non. Ok, fait que on va dans le garage. Ouais, dans le garage. Parce que mon gars t'es sous la protection. Là moi j'ai mis une caméra dans le garage. Veux-tu mettre l'autre dans une autre position dans le garage? Là toi t'es rendu où, by the way? Monte en haut. Ok, moi je suis rendu en haut. Tu veux-tu le mettre c'est comme face au Ouija? Là, moi je suis dans la cuisine. Ok, tout est là-bas. Ouais, Veux-tu j'ai que je tout mis replace ta en. caméra ou on la laisse. Oh non, on peut la laisser où que t'as. On va essayer ça. Tu fermes les lumières, ok. Pas que t'es dans le miroir, mais pas dans le miroir. Ouais, on voit jamais notre bonhomme, on voit juste nos mains. Non, t'es dans le miroir, miroir. Moi, ça? Ouais. Ben, il y a des miroirs maudits. C'est comme si t'avais pris en photo. Ok, moi je me vois pas, là. Bizarre. Je suis allé chercher. Mes lumières Pareil, ici. le couteau. Ouais, à date, le Il me MF, j'ai reste fuck all. Ok, 56 secondes. fait que la prochaine fois qu'on rentre, va Je se vais aller tout de passer. suite prendre en photo le Ouija. Ok, je vais mettre du sel, en tout cas dans le garage. Es-tu capable d'apporter la date? Ouais, je vais laisser le MF en dedans. Ok, j'ai le dot puis le sel. Ouais, Chop, c'est-tu ton genre de jeu, des jeux qui peuvent stresser ou faire foutre la chienne, là? Ok, fait que je vais placer le dot ici. Ouais. Ah, mais allez, plus. Ah, je l'aurais mis ici. Pour que la caméra le pogne. Je suppose que tu as mis l'autre caméra. Ouais, l'autre est ici dans le. Ok, Ok. ça ici. Ça ici, puis on va Je mettre ferme un. une porte. Bon, j'ai mis du sel partout. Ok, fait que ça c'est bon. On peut fermer la lumière du garage, puis ici.
T'avais-tu pris en photo le Ouija? Ouais. Ok, j'en avais refermé la porte. Hein. Ciao, bye! Ils ont été collés. Ciao, bye! Ouais, on a fait notre job, on est parti. Bon, on va aller regarder s'il se passe de quoi. Ok. Puis, ouais, la souris, c'est pour changer de caméra. Ouais. Ok, ils sont sur le Night Vision. Ok. Ça, c'est cuisine. Là, j'ai fini avec le sel. Je vais dropper le sel ici. Je vais reprendre le EMF. L'autre, tu l'as mis où, l'autre caméra? L'autre est dans le garage. Elle fait comme. À notre gauche, c'est le pick-up. Puis à droite, c'est la porte. Ok. Là, j'ai pris le EMF. Puis je vais prendre. Le livre, tiens. On le placera après. Il y a la chose UV que tu peux prendre. Comme ça, si jamais il marche à quelque part, quoi que ce soit, on va le checker. J'ai mis du sel aussi, là. Fait que c'est quelque chose. On va le checker. Il n'y a pas d'orbe. Non. Il y a certaines affaires qu'on voit uniquement avec les orbes. Là. Il va rester la radio, le UV. Ouais. Qu'est-ce que je voyais l'autre fois, là? C'était des orbes. Ah ouais? Ouais. Parce que moi, quand j'ai vu des orbes, c'est quand même des gros orbes, là. Mais il y en a des plus petits. Ah, bon à savoir. Ouais. Là, on s'installe des caméras, ça en fait notre check-in. On reste derrière. Là. C'est pas mal ça, j'ai vu les vidéos en général. Ah ouais? Ben, d'habitude, il y en a un qui va rester en arrière et checker. Pendant que les autres sont même dans la maison, il y en a qui regardent les endroits, les blind spots. Là. Ça prendrait Joanie pour qu'elle vienne les checker. Ouais, elle était prête à le faire. Elle a dit, moi, je vais rester dans la van, puis je vais regarder. Caméras. On va regarder jouer. Ouais. Je sais que si on se met des caméras frontales, elle peut regarder aussi au travail de notre caméra. Fait que des fois, quelque chose peut nous passer dans la face, mais on ne l'aura pas vu. Mais elle va le voir, ce qui passe à la caméra. Ouais. Tu veux-tu qu'on retourne en dedans? T'sais, j'ai le MF, là, mais j'ai rien pogné à date. Oh. Objectif 3. Faites marcher un fantôme dans du sel. Donc, il s'est fait tout seul. Fait que déjà, on sait qu'il y a des traces. Pogne la lumière UV. On va aller voir. On va aller voir s'il y a des empreintes à quelque part. Le sel, tu l'as mis où? J'en ai mis un dans la porte d'entrée du garage, puis les deux autres, je les ai mis dans le garage. J'en ai mis un pas loin du Ouija, puis l'autre qui est comme face à notre caméra qu'on regarde en ce moment. Fait qu'on va voir quel spot qu'il a checké. Puis là, moi, le livre, au pire, je vais le mettre pas loin du sel. Là. On va voir s'il est écrit dedans. Là. C'est quoi déjà notre cahier? J. Mais J, il faut faire attention parce que du sel, je pense, c'est pas considéré comme une empreinte digitale. C'est non. Vraiment les. Non. Mettons une poignée de ouais. Porte, un cadre, puis on n'a pas grand temps. Ok, c'est ben tu veux qu'on retourne en dedans checker? Ouais, on n'aura pas le choix parce que là. Ouais, c'est pas ça rien. Notre santé mentale, t'es à 95. Au moment, il faut que ça drop minimum 30% avant qu'il nous attaque. Exemple, c'est un démon. Ouais, laisse-le sur cette vue-là, je pense que c'est celle qu'on voit le mieux. Là. Au pire, mon autre caméra, je sais pas. On va peut-être la mettre à l'autre plan où on voit le Ouija. Comme ça, si ça regarde vers le Ouija, on va peut-être voir. En tout cas, on va voir où la trace de pas. Là. Caméra, lampe de poche, ouais. Le truc UV, si tu veux l'amener. Là. Mais je vais enlever le thermomètre. Ben là, ouais, la caméra, c'est faut prendre une photo du fantôme si on le voit, là, mais au pire, on peut attendre, c'est essayer avec la radio pour le faire apparaître, puis je sais pas. La caméra, tant que moi, peut attendre. Non? Parce que UV, il faut vraiment qu'il... Ouais, ben c'est ça. Ben, t'sais, en tout cas, s'il y a des traces à terre, déjà, on sait qu'il laisse des... Des traces avec le sel, fait qu'on peut suivre par où qu'il passe pour voir s'il y a quelque chose. Ah, si, c'est le pick-up. J'étais comme tabarnak, c'est quoi? Fucking pick-up qui beep. Là. Oh, la trace de pas est ici, t'es devant la porte du garage. Ouais, la trace est là. Oh, il y a une autre trace encore ici. Ok, fait qu'il a passé devant les deux caméras. Ouais. Fait qu'il est passé devant les deux caméras, mais pas celle. Ouais, mais il a pas passé dans le sel ou que le Ouija.
Fait que si tu regardes les poignées ou à terre, tu... ben à terre non, mais je sais pas si c'est pas quelque chose. Non, c'est vraiment le sur char. Le milieu des portes. Ouais, sinon c'est les lumières. On le voit pareil même si les lumières sont allumées. C'est sûr que chez le Ouija, ça le summon, mais. Ça va aussi summoner une chasse, là. Mais je sais qu'on peut poser des questions, mais une fois, j'ai juste touché ou j'ai rien fait. Là. Ouais, c'est ça. Je vais checker avec la caméra de température. À date, le MF, il y a fuck all, là. Et on faisait quoi pour arrêter? Le pick-up? Absolument rien. Mais il va la fermer sa gueule! Joanie qui a mis le stand alert là. Il va la fermer sa gueule! Oh, une trace de pas, direct où t'es. Ouais, elle était là tantôt. Non, ben, ça fait pas longtemps. Parce qu'elle était pas là. Ouais, ben, elle était là quand on est rentré. Il est vraiment comme ici dans le coin. Ouais, MF, y'a absolument rien. J'ai le livre là, je vais le mettre ici, le livre à part. Okay. C'est en avant du camion que j'ai mes drops de température. En avant du camion? Ok. Parce qu'il y a les traces de pas, tu sais, j'ai laissé le livre là. Oh, 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 oh! Il se passe de quoi? Ouais. La porte est-tu fermée en avant? Non, elle fermera jamais. T'es sûr? Il faut qu'on soit en bas de 50%. Ouais, mais... Là, toi, t'es où, juste? Caché en arrière du Ouija. Ok, non, je suis dans la cuisine. Je suis sorti du garage, mais tu sais, mes affaires, ils ont beepé. Le MF, il est allumé, mais. Ouais, j'ai baissé à 3 degrés, moi aussi. Ok, mais le MF, il est allumé, mais il n'a pas monté à 5. L'audio? Ah, mais attends, viens voir la lumière, parce qu'il a fermé la lumière. Y a-tu une empreinte? Oh, 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 là, il y a une porte que j'ai entendue quelque part. De Renzo. Ah, les gars, la porte, elle ferme dans le garage. Viens voir la trappe. Chris, c'est une niaise, aussi. T'as combien de MF? 2. Ouais, j'étais à 2. J'ai pas d'empreinte. Ok, puis si on regarde l'autre bord. Oh, on s'enferme dans le garage. Let's go. Là, c'est moi qui ai bougé la porte, là. Non? Non. Ah, oui. Oui? Oui. Ah, ben oui, toi. Ok, fait qu'on va pouvoir rajouter ça dans nos preuves en sortant. Moi je dis qu'on ferme les lumières puis on va checker si on voit de quoi sa caméra là. Avec la... dans la van. As-tu changé ta caméra de place, l'autre? Non, je l'ai laissé là. On devrait la... On devrait la mettre comme sur le pick-up face au dot, mettons. Sur le pick-up? Je sais pas si je peux la mettre sur le pick-up. Oups, ça c'est moi. Ou ces boîtes, mettons, ici, là. Ouais, ok. Avec point de face vers la porte. Ok, j'ai ramassé la caméra. Wow, wow, wow. Ah, fuck, elle est là, elle est là, elle est là. Tabarnak. Asti. Asti, elle était sur moi. Chris, tabarnak. Ouh. Ah, une chance, t'as pas une chance. Ouais, moi, je l'ai vu en Chris. Oh, Sti, tu l'as entendu? Oui, okay. J'ai entendu. Elle était dans mon cou. Hey, écoute, quand ça a fermé, là, que les lumières se sont mis à flasher, là, en même temps, Ezemir m'a mis un jumpscare, le calice. Merci, Ezemir. Je l'ai très apprécié. Calice. En même temps qu'il m'a mis un fucking jumpscare, nos affaires ont jammé. Puis là, j'ai vu... Il s'est mis à respirer devant moi. J'ai fermé ma lumière, puis j'étais à genoux à terre. Ses jambes ont commencé à approcher, puis quand il s'est arrêté dread devant moi, puis il a disparu, j'suis comme tabarnak. Puis je venais de ramasser la caméra en plus. J'ai. Y a-tu du monde qui a regardé mon EMF? Parce que disons que c'est pas réellement ça que j'ai regardé. Mais je sais que le EMF est allumé, mais je peux pas dire que c'est monté à 5. Fait qu'on va commencer avec l'empreinte digitale. Ça, c'est fait. Température glaciale, c'est à combien que t'as droppé le plus froid? Normalement, quand c'est en bas de 12, c'est considéré comme glacial.
Ok, fait que ça, on va le considérer. Project Tardot. Attends, y a-t-il quelqu'un qui regarde la caméra? Ok. Tu checkes ton journal ou tu checkes la caméra? Je checkais mon journal, mais je peux checker la caméra. Ok, check la caméra, je vais checker mon journal. Écriture fantomatique, on va retourner. Orb, Spirit Box, Spirit Box, on a rien fait. EMF, si c'est le cas, ça serait un djinn. Je vais aller voir c'est quoi un djinn. Ouais, Zemir, t'es arrivé juste au bon moment pour me foutre un fucking jumpscare, man. c'est que je t'aille. Le djinn est un fantôme territorial qui attaque lorsqu'il est menacé. Il est également connu pour pouvoir se déplacer à une vitesse assez vite. Un djinn voyagera à une vitesse plus rapide si sa victime est loin. Couper le courant empêchera le djinn d'utiliser sa capacité. Bon, en effet, Zemir, le timing était vraiment bon. Écoute, on est dans le garage depuis tantôt. Puis il se manifeste de plus en plus. Ma santé mentale, elle a droppé en bas de 50%. Ben non. Ben là, elle est rendue à 53, puis on est dans le camion depuis une couple de minutes, là. Puis elle monte. Fait qu'elle avait droppé en bas de 50. Fait que t'as vraiment eu peur. Ouais, j'ai. Ouais. Je peux dire que ça me fatiguait. Surtout quand j'ai vu qu'elle marchait vers moi, j'ai comme commencé à lever la vue, puis je voyais juste ses mains, mais je voyais pas le reste du corps, il faisait noir, j'avais éteint ma lampe torche. Puis j'étais comme, ah, oh, tabarnak, elle va me tuer. Puis là, elle a disparu. J'étais comme, fuck it. À la seconde qu'elle a disparu, je suis parti à courir vers toi. Puis là, la porte est fermée. J'étais comme, tabarnak. Écoute, il nous reste. Si c'est pas un djinn, il nous reste un démon, un Hantu ou le Mimic. Le démon attaque à partir de 30%. On va regarder qu'est-ce que ça dit. Un démon. Ils sont agressifs, ils semblent attaquer sans raison et semblent adorer chasser. Les démons chassent plus souvent que les autres entités. Les crucifient, bon, ça aide pas. Après ça, on avait le mimique qui imite le comportement des autres. Mais on n'a pas grand-chose à dire. Puis l'autre, c'était un Hantu. Et non un Hantai, pour ceux qui connaissent, c'est un Hantu. Ce sont des entités rares qui profitent des climats les plus froids. Le plus froid semble les rendre agressifs et puissants. Les basses températures permettent aux Hantus de se déplacer plus rapidement. Les Hantus sont plus lents dans les zones plus chaudes. Ok. Tant qu'à moi, le gars, il marchait. Ben, en tout cas, le fantôme, il marchait quand même assez lent. Il s'en venait vers moi, il était devant le pick-up. Il s'en venait devant moi, puis il avançait sur moi. Mais moi, j'étais comme face au pick-up. J'étais dans le coin où il y avait la caméra. J'ai eu juste tout le temps d'enlever la caméra, puis c'est là que c'est mis à. À spawner et à me faire chier. Je pensais installer une caméra sur le coin de la table avec une vue à l'intérieur parce que j'ai regardé juste avant de rentrer puis on était capable d'avoir une vue vers le pick-up. Et je serais peut-être Là, capable d'avoir une autre on peut tout de position. suite enlever orb fantomatique. Il y en a zéro. Ok, ça l'enlève le en tout. Fait qu'il reste démon, mimique ou djinn. Le projecteur. On n'a rien vu à date. EMF niveau 5, écriture fantomatique ou spirit box. EMF il a monté, mais pour être franc, j'ai comme pas tant regardé. Je sais Ouais. qu'il a monté, mais j'ai pas niveau 5. Y en a-tu dans live qui ont remarqué si ma petite lumière, mes 5 lumières ont allumé sur mon truc? Si oui, dites-moi oui ou non. Parce Prenez une que photo du fantôme, j'aurais le fucking pu le faire. projecteur dot, j'ai l'impression qu'il fera rien parce que si tu le mets, t'es aucun d'entre eux. Ouais. Fait que puis on n'a rien vu de ça. Ok. Fait que Joanie lui, l'a pas c'était. remarqué, mais elle a fait un clip. Ah, calisse. Fait que tu m'as pogné, esti. Fait qu'il reste EMF, écriture ou Spirit Box. On peut aller voir l'écriture, c'est quelque chose, mais clairement, c'est devant le pick-up. Fait qu'il faudrait essayer de mettre ça là-bas. Vous... Mettre la caméra, puis peut-être le projecteur dot. Ben non, le projecteur dot, on l'a déjà enlevé. Pendant que tu checkais ton livre, elle a essayé de fermer la porte. Encore. Ouais. Ouais. Elle me pogne aussi. Elle me pogne à avoir un chien. Joe, il fait pareil aussi. Mon esti. Il dit tout le temps qu'il me déteste. C'est moi qui peux dire que je te déteste. Ouais. T'as le droit à ce jeu-là. Ouais. Il me pogne ici. Bon, fait qu'il niaise avec Le la porte. EMF, ça serait un djinn, c'est ça? Si c'est un EMF, oui. Si c'est une écriture fantomatique, c'est un démon. Puis Spirit Box, ça serait le mimique. Fait qu'il faudrait s'essayer de parler. Mais ça dit couper le courant empêchera le djinn d'utiliser sa capacité. Ouais. Mais ça, son djinn, je sais pas c'est quoi sa Hello? capacité.
Bon, c'est mieux qu'un des voisins. Bon, en effet, Joanie, c'est clair, t'allais pas passer à côté de ça, t'as me pogné. Ouais, c'est ça, le djinn, sa capacité, je sais pas c'est quoi, là, de ce que je vois, c'est juste qu'il va bien vite. S'il y a du courant, mais là, il faisait noir, puis comme je dis, il marchait tranquillement. Fait, est-ce que c'est ça? Le mimic, il fait pas grand-chose, il y a presque pas d'informations. Le mimic, dans le fond, c'est qu'il copie les autres, fait que c'est vraiment difficile de savoir si c'est lui. Ouais, Plusieurs j'avoue. rapports t'indiquent. Hein? Plusieurs rapports indiquent des orbes à proximité des mimiques. Mais on n'a jamais vu d'orbe. Il m'a spawné d'en face, puis j'ai jamais vu d'orbe. J'ai goût de dire que c'est pas un mimique. Puis le mimique, lui, c'était le Spirit Box. Fait que si on enlève Spirit Box, il reste Écriture puis EMF. Fait que c'est soit un djinn, soit un démon. Fait qu'il reste. On va aller checker sur une écriture fantomatique. Puis l'EMF, il a monté, mais j'ai pas vu s'il a monté bien haut. Tout ce que je sais, c'est que c'est ma santé mentale qui veut pas passer au-dessus de 50. Là. Je sais que, me semble qu'avec les démons, c'est plus difficile de remonter ta santé mentale. Je crois, là. Fait que. Ok. Tu Checker, viens-tu? mettons, au cas où qu'à température, je serais wrong. J'aurais pas raison. Fait que ça me donnait le Poltergeist. Poltergeist, il pige les Ok. objets. Mais il y a clairement Ouais. rien qui a bougé depuis tantôt. Puis le Midling. C'est pas ça non plus, le Midling. C'est Des quoi déjà? sons d'origine paranormale. Ouais, il a fait aucun son à date. Silencieux quand je chasse. Là, c'était pas une chasse, mais il était crissement pas silencieux. Ouais, non. Ça sent le Même en. caca nerveux. Puis même en sortant, on s'est fait. Oh, il nous a recrié après. Je le sens d'ici, Joanie dit bon, ça y est. J'ai une trace de break dans mes shorts. Écoute, reviens. Moi, j'ai le MF allumé. De toute façon, toi, ton Spirit Box. Je l'ai comme enlevé, mais on va l'amener pareil. Puis je vais aller checker s'il y a mis une écriture. Si c'est une écriture, ça sera un démon. C'était B, la Spirit Box, hein? V. B c'est pour moi. V c'est pour. Tu vas le voir là, quand tu regardes en haut à gauche du Spirit Box. Ouais, là je t'entends dans mes oreilles. Quand tu fais en haut à gauche, tu as un petit logo qui va comme apparaître de Ouais, je speaker le quand vois. tu fais V. Okay. J'avais oublié le char. Ouais. Je vais replacer la Quel est caméra. votre nom? Tabarnak. Tu m'as fait un saut. Attends, je suis en train de placer la caméra. Ok, la caméra est placée. Quel âge avez-vous? C'est toi qui as fait le ou? Non, c'est lui. Ok, fait que Spirit Box a réagi. Comment êtes-vous décédé? Ok, mais clairement, Êtes-vous le un Spirit mâle ou Box. une femelle? Un mâle, une femelle, un homme ou une femme. Non, mais on a notre preuve avec le Spirit Box. Quel âge avez-vous? Ouais, on a notre preuve. Fait que, écoute, j'avais enlevé Spirit Box, finalement, c'est ça. Avec quel âge? Ça sera un mimique. Comment, excuse? Dis avec quel âge? Ouais, je sais. Mais je sais pas, Je sais pas qu'ils aient fait avec des ou. Comment, ok. Joanie, mâle ou femelle, pas trop ça d'autre. Fait que ça sera un mimique. Ouais. Je sais que tu as une couple de questions précises que vous s'y posez, mais je me souviens jamais c'est quoi les Ouais, ben questions c'est d'or. genre, es-tu un homme ou une femme? Quel âge as-tu? Veux-tu qu'on Ouais. parte d'ici? Es-tu présent dans la pièce? Des affaires de même. Moi, j'irais avec le mimic, pour vrai, parce qu'on a eu empreinte digitale, température glaciale, puis Spirit Box. Vendu. Ok, fait que t'as coché ton affaire. Ouais. Ok. Est-ce qu'on l'a eu? Pensez-vous qu'on l'a eu? On vous demande ça, à vous autres de nous le dire. Tan, 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 tan. Ah ouais, c'est le temps de l'avoir. Pantoute, c'est un poltergeist. Ouais. En tout cas, moi, on a fait 20$ avec le sel puis la photographie. Poltergeist, c'était quoi déjà? Parce que le. On a eu le Spirit Box.
On a eu le température glaciaire. Puis c'était quoi le premier déjà qu'on oublie? Je sens température glaciaire, c'est en bas de 12. Ouais, ben même à ça, toi, t'as droppé à combien tantôt? Genre 9, 7? Spirit Box, Fingerprint, puis Ghostwriting. Ah, oh, t'as pas checké à terre? Ouais, j'ai checké, y avait rien. Oh. Spirit Box, Fingerprint, puis Ghostwriting. Fait que c'est le Frost, ben le ben on a température qu'on a pas eu. On a pas eu bon. Ouais. Comment ça, je peux pas voir le clip que j'ai fait. Ben, il faut que tu ailles dans la section clip. Comme tu sors comme du live, tu vas voir les sections clip. Là. Tu peux les partager. Ok. On va le voir ça, certain. J'ai 35$. Qu'est-ce que je peux acheter avec 35$? Ça, on l'a, Livre d'écriture, Spirit Box. Thermomètre, on l'a acheté. Lampe UV, on l'a. Caméra vidéo, on a une. Bon, optionnel. Crucifix, ça nous protège contre une attaque. Que se fait utiliser pour empêcher les fantômes de vous attaquer? Il est conseillé d'en placer près du fantôme. Fait que c'est sûr, tu mets ça, puis après ça, tu te mets à Spirit Box ou un Ouija, t'as comme pas bien de chance de faire attaquer parce que ça va nous protéger. Mais je suis vraiment pas sûr, mais je pense que c'est un one-shot deal, mais je suis pas sûr. Le crucifix? Ouais. Ben, faut que tu l'aides dans tes mains. Ben, je sais qu'il y en a qui peuvent le dropper à terre, là. Il va attaquer ça à place. Un rayon de 3 mètres, puis c'est utilisé effectivement une fois, je me trompe. Ok, caméra frontale. Tu es pas dans le rayon de 3 mètres, donc je voudrais tu le mettre à tu le restes dessus. Appareil photo, j'ai quoi d'autre? Pilule calmante, trépied, ça serait pas pire pour nos caméras. Ouais, c'est en sortant du stream, Joanie, mais on le checkera après si tu veux. Ouais, fait que le trépied c'est 25$. On pourrait mettre une caméra dessus, ou sinon j'achète le crucifix qui nous protégerait. Ça nous permettrait de s'essayer à faire du Spirit Box ou d'activer un Ouija. On le met à terre puis on reste là puis on regarde qu'est-ce qui se passe avec une caméra au pire. T'es-tu down pour un crucifix là? Ouais, ça vaudrait la peine. Ok, fait que je vais en acheter un. Toi, t'as combien de cash, voir? À 35. 35, ok. Ben à 35, tu peux acheter un autre objet. Comme je disais, il y avait en bas, là, il y avait le trépied. Fait qu'au lieu d'être sur des coins de mur, on peut mettre une caméra à un endroit pas mal plus intéressant. Là. Ouais. Ou un deuxième crucifix, puis whatever. Mais non. Je pense qu'un pour l'instant est en masse. Fait qu'on va s'essayer avec une autre maison. C'est 3 étages, on va attendre. On va commencer à 2 étages. Je vais garder mon argent encore un peu. Voir. Attends, j'ai pris une autre maison. Ça, je pense que c'est celle du tutoriel en plus. Ok, fait qu'on a un crucifix de plus. Fait qu'au pire, mais qu'on soit prête avec les Spirit Box, on se promènera avec les crucifix. Tu le mets à terre, puis là, tu calls toutes les conneries que tu peux. Tu dis son nom à côté pour être sûr qu'il se passe quelque chose. Puis là, on le prend en photo. Au pire, toi, tu te mets-tu avec les Spirit Box, moi à côté avec la caméra photo, pour on essaie de le prendre. En tout cas. Tu feras ready avec ça, prête. Parfait. Ready. Bien sûr. Bon, on va saisir une autre maison. Ouais, c'est celle-là qui est dans le tutoriel. Ok. Elle, les pièces sont séparées. Sont un petit peu plus. Sont un petit peu plus séparées. Qu'est-ce qu'on a comme mission? Faire en sorte que le fantôme éteigne une bougie. C'est pas trop, on a un lighter. Des preuves parallèles avec un lecteur EMF. J'ai le feeling que l'EMF va être bon. Avoir un membre de votre équipe assister à un événement paranormal. On le fera tantôt. Il s'appelle Jack Wilson. Il répond à tout le monde. Puis c'est ça. Ok. Alors, on commence avec une lampe de poche. Je comprends pas comment vous avez réussi la première mission. On l'a pas réussi. Dans le fond, on a quitté en pensant qu'on avait trouvé, mais on s'est trompé d'impreuve. Fait qu'on n'a pas fait de cash, on n'a pas réussi notre contrat, mais ce qui nous a rapporté du cash, c'était d'avoir fait une photo d'un objet spécial et d'avoir réussi un des objectifs, un des 4 objectifs. Fait que nous, il fallait qu'avec le fantôme qui marche dans du sel, on a réussi à le faire. Fait que ça nous a donné les 20$. Fait que bon, j'ai la lampe de poche. Je vais prendre le thermomètre. Écoute, je peux même. Parfait. Je vais prendre le lighter tout de suite. Je vais en profiter pour aller allumer les bougies tout de suite. Puis après ça, on reviendra placer les caméras. Toi, t'en as pris une?
Non, ben j'ai l'appareil photo, lampe de poche, puis AMF. On va faire le tour des pièces de même vite. Et où l'autre caméra? Pourquoi il y a juste une caméra? Ah, c'est parce que je veux pas l'avoir mis. D'après moi, faut que je le mette à chaque fois. Ah, ok, ouais, ça va être ça pour ça. Ok, pas de trouble, on ira qu'une. My bad. Ouais, pas de trouble. J'ai lighter, ça, parfait. T'es prête? T'es prêt? C'est good. Fait que j'ai le thermomètre, puis on va allumer une lumière au début. Aussitôt, oh, c'est à droite. Aussitôt qu'on trouve des chandelles du mollet, on va toutes les allumer. Comme ça, on va essayer de faire l'objectif. Fucking caméra qui nous regarde. On vient voir vos fantômes. Sont il y a un deuxième. Il y a un deuxième à celui-là. Hein? Non. Non. Il y a un sous-sol, par exemple, mais il n'y a pas de deuxième. Bon, ici, il me semble une bougie à quelque part. Ouais, de red set. Ouais, il y en a une en rentrant, ouais. Ouais. Ok. Je regarde même pas la température. 16, 19. Ah, cool, on peut ouvrir les garde-robes. 17. Ok. Ok, 22. 18, ça c'est bon. 18. Ah, cool, on peut se cacher là-dedans. Ok, moi à date il fait 20, là, fait que si c'est bon, je vais aller dans ta pièce. Ouais, ben j'ai pas de lecteur. 22, ça c'est good. T'as pas vu d'autres chandelles à date? Non. Ok. J'ai rien vu d'anormal. Un cellulaire, un ordi, 22. Ok, rien là-dedans. Perfect, ça c'est good. Ouais, ici, il y a 15 degrés. Bon, c'est un 18, on est correct. On fait-tu les chambres avant? Les deux, la chambre 7? Ben, grince. Ouais, il y a une pièce de plus, mais c'est fait différemment. Hein. Ouais. Ok. 19. Oh, une chandelle, là. Parfait. 22, c'est toujours bon. 21, 22. 20. C'est quoi? Ah, un locker. 20, parfait. Ça, je sais qu'on peut allumer la TV. 18, 21. Ok, il reste le garage, la cuisine, salon, puis le sous-sol. Là. Oh, 7 fait 15, 19. 15, 19. Tu vois-tu des chandelles? Là? Non. Non. 19. Fucking Hitler, man. 15. C'est une chandelle, ça. Non, c'est un verre. Ok. 22, 23. Ok, ça c'est le garage, on peut y aller. Non, oh, attends une minute. Ah, oh, il y avait une preuve. Ah, ok, là, c'est qu'on peut le ramasser en plus. Parfait, ouais. Il est fait. Fait que 18, 20. Faire attention. Oh, 6 degrés. Fait que clairement, ça va être dans le garage. Mets ta caméra où je suis ici, vers la porte. Ah, c'est juste un appareil photo, j'ai pas de caméra. Ah, ok. Bon, on va revenir la mettre ça d'après. 3 degrés. 5 degrés. Oh. Ah, fucking char. Ok. Au pire, on peut sortir, venir mettre la caméra avant qu'il se passe quoi que ce soit. Ben, vas-y, chercher. Ok. Fait que 3 degrés, fait que... J'ai un lecteur MF. Y a-tu monté à 5? Non, il a bipé une fois. Ok. Bon, avec ça, c'est clairement dans le garage, là. Ok, caméra. On va aller faire ça tout de suite. Puis après ça, je vais revenir avec d'autres cossins. Tu me diras le temps qu'il reste. Oh, les lumières sont fermées. Le breaker a sauté. Il y a le breaker. Aucune idée, il doit être en bas, j'imagine. J'ai même pas checké le timer. Donne-moi une seconde, on va juste placer la caméra. On va aller en voir. Pas checké le timer? Non, mais il doit pas nous rester grand temps, non? Ah, tu me dis, je peux mourir et en avoir des gants? Un peu, ouais. Mais oui, c'est dans le garage, t'es en bas, fait que... Hey, la lumière est ouverte ici. Ah, ok, c'est parce que t'as allumé le breaker. Hey, t'as-tu pris une photo du... à terre, chose sataniste? J'avais même pas vu. Pile dans les affaires satanistes comme moi, puisque je m'ai juste torsé tes chandelles une petite seconde. Hey, je pourrais peut-être allumer les chandelles. Anyway.
Ouais, ça te fait 18, clairement. Tu les allumé, chandelle? Je viens de dropper le lighter. Ah. Ok. Ça, c'est bon. Fait que je vais allumer les lumières. Il n'y a rien en bas. On retourne-tu au camion, changer notre stock? Ouais, avec l'appareil photo. Ok. Fait que j'ai le thermomètre. Si on sait que ça drop, on va tomber à du 2-3. Ah, attends. J'ai trouvé les clés de l'auto. Ah ouais? Ah, nice. Je vais amener chercher le. Si, bon, j'en ai dit des affaires. Je vais amener chercher le livre puis le lecteur, je sais pas quoi. Il reste une seconde. Merci. Ouais, je suis en train de rentrer dans la maison. Fait que là, j'ai laissé le thermomètre là-bas. Je vais retourner chercher après. La caméra est installée. Là, toi, t'es dans le garage. Ouais, mais je pensais être capable de fermer le. Ah, c'est que j'ai fait un saut. Fucking téléphone. C'est que j'ai fait un fucking saut, man. C'est que téléphone m'en attendait pas. J'ai un petit lag. Ok. On peut aller rechercher d'autres équipements. La caméra est installée, fait qu'on a rien qu'à checker ce qui se passe. On va fermer. Ah, la caméra est à côté de toi. J'ai mis une couple de trucs, ça. Mais je suis pas capable de. C'est moi qui ai fermé la lumière. Okay. Ouais, moi j'essayais de. Bon, salon, on peut aller s'ouvrir. Ouais. Je vais retourner chercher. Là, j'ai plus rien, mais merci avec la lampe de poche. Ouais, ils ont du fun avec les systèmes d'alarme, en effet. Mais je suis sûr d'avoir ramassé la clé, mais je n'ai pas pu le fermer. Fait que là, je suis en train de regarder la caméra pour le. Oh! J'ai vu de quoi dans le garage. Il a couru de gauche à droite. Il courait vite en plus. Il a couru ça de la porte, puis il a passé devant le char. Là. Ouais. Regarde, les petites offres que tu parlais, là. Je sais pas si c'est ça. Ouais, là. Ouais, exact. Ça okay. Fait que, le gars, tu vois, il vient de repasser. Ouais, il vient de repasser. Je sais pas si on le voit à cause de mes dots. Fait que toi, tu veux qu'on dise. Je vais te laisser regarder s'il se passe de quoi. Or fantomatique, tu veux qu'on le coche? Oui. Ok, projecteur dot. Là, j'ai fermé ton ton chaudron. Ouais. On va voir s'il va repasser. Parce que les projecteurs dot, je sais que ça fait des points, ça nous permet de voir des silhouettes. Mais tu sais, une fois, la première fois qu'on a joué, je l'ai mis, puis il s'est mis à flasher en rouge. Mais je sais pas si c'est ça que c'est supposé faire, ou c'est juste qu'il faut qu'on voit quelque chose grâce à ça, là, mais. Je vois. Température glaciale, tu sais, j'ai tombé à du 2-3 degrés. Je sais pas si. On l'avait pas glacial sur l'autre, hein? Non, mais tantôt, il était genre 9 degrés. Le poltergeist, est-ce que tu considérais glacial? Ben, il me semble que non. Non, parce que c'est ça qui était pas bon tantôt. Non, c'est ça. Glacial, je pense que c'est. Je sais qu'en bas de. Sentais-tu en bas de 12, c'est anormal, mais glacial, faut vraiment que ce soit en bas de 0 pour tout ça de la boucane. Ok, fait qu'on ne considère pas EMF, toi t'as pas eu niveau 5. Il reste projecteur dot, température glaciale, écriture fantomatique, j'ai mis le livre là-bas, à côté du chose dot. Ok. Fait que, ouais. Mauvais piton. Ok. Ça, depuis qu'il est fermé, je l'ai pas vu passer. Moi non plus. Que son le réouvre. On va-tu l'envoyer passer? Ouais. Ok. Puis, trouver des preuves du Parlement avec un EMF, on l'a eu. Un événement paranormal. Ouais, il n'a pas eu, à part que ça s'est mis à sonner et puis tout le kit. Faire en sorte que le fantôme éteigne une bougie, si on va le voir s'il le fait. Anyway, je peux pas mettre des bougies partout. Ben oui, en fait, on pourrait acheter des bougies et les installer. Ils viennent de passer encore, ils viennent de sortir du garage. Ok. Bon, on va voir s'il rentre. En général, il peut se promener, mais il. Il cherche à revenir souvent, là, à moins qu'il se promène. Mais. Et je pense que le dot, je pense qu'il marche pas. Ok. Je vais juste regarder, voir si c'était le COVID avec mon thermomètre. T'es à 11 degrés, quelque chose de louche. Il y a le crucifix, on peut toujours prendre ça, puis Spirit Box. On le crisse à terre dans le garage, on jase, puis on regarde s'il se passe quelque chose. On peut essayer à deux, parce que ça dit ici, il va répondre à tout le monde. Fait qu'on peut essayer à deux, puis toi, t'as la caméra. Fait que tu sais, je peux essayer de me coller contre le mur, tu te mets devant moi, je mets le crucifix où que t'es.
Puis moi je parle, puis t'essayes de prendre des photos, puis là, si tu vois quelque chose. Prendre une photo du. Du fantôme. Ça rapporte du cash, là, même si c'est pas dans les affaires Ouais. même. Ok, le thermomètre, je l'ai. Là, toi, il te reste combien de place sur toi? Ben là, je vais dropper la caméra photo. Ben, à moins qu'on va prendre une photo. Parce que je suis pas allé. Ouais. Parce que si on fait la radio, le Spirit Box, au pire. Ok, je vais dropper le thermomètre. Je vais commencer avec ça. Je vais dropper le thermomètre. Je vais prendre le crucifix et la radio. On va aller dans le garage avec toi, amène ton EMF. Moi, je vais allumer la radio, puis je vais installer le crucifix à terre. On va se mettre dessus, puis je vais appeler le fantôme. Il s'appelle comment? Jack Wilson. Je vais appeler le fantôme pour essayer de le provoquer. Puis si tu es capable de le Ouais. voir, tu checkeras s'il se passe de quoi avec l'EMF. Si c'est le cas, ben, tu sortiras la caméra, puis tu essaieras de le prendre en photo. Si tu es capable, là. J'avais sorti ça, là. Ouais, la chose UV pour les empreintes, Mais là. il n'y a pas de porte. Tu sais, la porte n'est jamais fermée. L'autre Pendant que tu porte dis dans le ça, fond non ok. plus. Ouais. Ben, tu sais, il y a le téléphone qui a sonné tantôt, on aurait pu aller voir. Mais au pire, on va essayer la shot de Spirit Box avec le crucifix. Puis si ça marche pas, on retournera avec le EMF, UV, puis la température, puis on Je vais checkera emporter l'appareil photo puis mon EMF. Le EMF, je vais le dropper à terre. On l'appelle. là. Ok. Ben, si on veut être sûr, savoir si c'est niveau 5 ou non, il faut l'amener là. Ils viennent de courir dans la caméra. Ok, fait que garde le MF, ta caméra, je vais prendre le Spirit Box puis le crucifix. On va s'essayer avec ça. Puis là, si on y va vite de même, tout est coché. Moi j'ai juste coché hors fantomatique. Hop, automatique, projecteur dot, moi j'enlèverai. Ouais, il a passé plusieurs fois dedans, mais on n'a rien vu là. Fait qu'il reste Cauchemar. cauchemar, revenant en tout, en Rio puis au baquet. Cauchemar. Ah, il y a le sel qu'on pourrait installer aussi. Là. Ben, quoi que ça, c'est pour les empreintes, mais. Ça, c'est juste pour nous dire s'il met des traces à terre. Là. Ouais, mais ça compte à rien. Non, c'est ça. Ben, tu sais, si c'est un fantôme, ça dit qu'il laisse pas de traces à terre. Puis lui, oui, bon, tu peux l'ignorer, là, mais. On Ouais. verra dans les fantômes qui nous restent. Là. Fait que tu viens-tu, on va aller Ouais. essayer mon plan, voir. Techniquement, les crucifix, on n'est pas supposé se faire chier. Puis la santé mentale, ça a l'air de quoi? Le 90%. crucifix, c'est juste pour un démon. Ben non, ça disait ça nous protège d'une chasse de fantômes. Ouais. En tout cas, ça qui était écrit quand je l'ai acheté. Hey, les chandelles sont éteintes. Anyway. C'est vrai? Ben, elle avait l'air éteinte. Puis le breaker, il est fermé. Direction à gauche ici, on descend en bas tout de suite, on va faire le breaker. C'est bon. Ça l'arrête de moi. Ouais, moi je te suis avec le show. Fait que on va se mettre. Attends, il y a le livre, ça. Il n'y a rien dans le livre. Mets-toi où je suis. Comment son âge, là? Ouais. Donne-moi une seconde, je vais dropper le crucifix à terre. Ok, crucifix est fait. Ok. Fait que je vais l'appeler carrément par son nom pour le Non, trigger. non, mais comment par son âge? Ok, donne-moi une seconde. Quel âge as-tu? Es-tu un homme ou une femme? Oh, on l'a vu passer dans le projecteur. Ben, je viens de le voir passer, il a passé dans le face. Quel est ton nom? J'ai pas de MF, t'as pas de boîte. Pas à date. On va continuer. Mais ça dit qu'il répond à tout le monde. On va essayer. Tu veux-tu juste dire son nom? Anyway, il y a le C'est-tu vraiment... crucifix, fait qu'on est correct, là. Le crucifix est à terre, là. Vas-y. Jack Wilson. Ah.
qui nous a foncé dessus. Mon esti, c'est vrai. Jack Wilson. On va le dire 12 fois, esti. Ouais. Mais il a pas l'air à passer dans le dot. Ouais, ben on le voit marcher. Je vois comme du mouvement au travers du dot. Jack Wilson. Ok, fait que Spirit Box, on enlève ça. Ok. Ah, fait du bien enlever le petit Spirit Box. Ok, fait que je vais reprendre le crucifix. Ok, j'ai le crucifix. Je vais repogner la palette température. On va revenir au char. Au camion, là. Je vais repogner. Ouais. M'a repogné le. Le. Voyons. Le thermomètre. Puis quoi d'autre? Il reste le sel qu'on peut installer, bon. AMF, oublie ça. Ok. Le projecteur dot, pour vrai, je l'ai vu. J'ai vu une couple de fois passer quand on était là. Puis c'était principalement à cause des. C'est à cause des points que je voyais son mouvement. Là. Fait que j'ai le feeling que c'est ça. Je vais le mettre. Fait que si on a or puis projecteur, c'est soit Banshee, Yuri, Raiju ou Taillé. EMF, on n'a rien pantoute. C'est sûr qu'on n'a pas eu une attaque. Là, mais... Température glaciale, on a baissé bas. On peut toujours se réessayer en espérant qu'il drop. Écriture fantomatique à l'Algérien, puis empreinte digitale, on l'a pas vu interagir avec quoi que ce soit. J'ai été chercher le thermomètre. Tu veux-tu... écoute, on peut mettre du sel, mais ça compte pas comme un empreint. Oh, les lumières ont flashé là-bas. Parce que projecteur dot... ouais. Fait qu'il reste Banshee, Yuri, Raiju, Taillé. Si on regarde... Banshee, c'est des sirènes qui chantent, qui attirent ses victimes avec des chansons. On n'a rien entendu depuis le début. Yuri. Lui, c'est vengeance. Plus rien. Yuri a une forte influence sur la santé mentale. Ça n'a pas bien, c'est bien, bien. Brûler de l'encens sur le lieu du décès. Je vais juste aller regarder ma santé mentale. Elle a l'air de quoi? As-tu baissé beaucoup? On est à 72, puis on est resté là-bas à nommer son nom. Fait que ça n'a pas bien, bien baissé. Après ça, c'est Raiju puis Taillé. Raiju, un démon qui profite des courants électriques, bien que généralement calme, peut devenir agité quand il est submergé de puissance. Écoute, ça fait une couple de fois qu'il joue avec l'électricité. Puis le Taillé, pour vieillir rapidement, même dans l'au-delà, d'après ce que nous avons appris, il semble se détériorer plus rapidement en présence des vivants. En entrant dans les lieux, le Taillé deviendra actif, agile et sera sur la défense. Il s'affaiblit avec le temps, devenant moins agressif et plus lent. Je sais qu'il court vite, mais pas ça. Puis un, l'autre. Je confirme que ton projecteur d'art, c'est exactement ce qu'on voit. Là. L'ombrage que tu vois passer, c'est le projecteur d'art. Ok, bon. Fait que ça, c'est bon. Écoute, j'ai un feeling pour un Raiju. Parce qu'il bouge vraiment vite. Puis quand il y a l'électricité, il va vite. Puis il s'amuse avec l'électricité. Il n'y a pas de Raiju. Ouais. Banshee, Yuri ou Taillé. Non, c'est parce que toi, t'as enlevé EMF. Ouais, il n'y en a pas d'EMF. Ouais, mais il s'est rien passé non plus encore. Tu sais, il a monté tantôt un petit peu, fait que peut-être qu'on peut détecter s'il se passe quelque chose. Là, quand tu l'as appelé, il s'est promené en avant nous autres, puis ça a fait aucun son. Ouais. Il a même pas monté à deux. Tu veux-tu qu'on réessaye avec le thermomètre? On retourne là-bas, puis j'ai le thermomètre. Je le drop à terre, puis on check sur une température. Au pire, garde ton... S'il n'y a pas de thermomètre, c'est un Yuri. Température glaciale. S'il n'y a pas de thermomètre, ça l'enlève le Yuri, mais si c'est un thermomètre, c'est le Yuri. Fait qu'on peut aller essayer. Moi, j'ai le thermomètre, je vais mettre le crucifix à terre, puis il dit qu'il répond à tout le monde. Fait qu'on peut sûrement parler pas de radio. Là. Je sais qu'ils peuvent nous entendre, mais quand on parle pas dans la radio, fait qu'on peut essayer de même. Donc, Yuri nous a pas fait descendre assez. Ben, j'ai droppé à 70. On était à 90 tantôt. Il a pas fait grand chose, mais ça a baissé de 20. Mais c'est. Veux-tu que je réessaye avec mon EMF et ma caméra? Ouais, ramène-les. Puis je vais.
Ouais, si on met dans le coin, je vais prendre ma caméra photo. Je vais mettre le MF à terre. Ok, je sais pas si ça l'active, on peut essayer. Oui, ça va l'activer. Ok, moi je vais mettre le crucifix à terre, puis là j'ai le thermomètre. Puis je vais prendre des photos. Fucking alarme qui m'énerve. J'ai attelé pourtant. Ouais. Ok. 18, 17, 7. Oh, ici, c'est fret. Tiens, j'ai droppé le crucifix à terre. Viens-t'en où je suis. Ici, il fait 8 degrés, 5, 7, c'est plus ça que fret. Ok, fait que je vais l'appeler. C'est. Je vais essayer. Jack Wilson. Oups. Jack Wilson. Bon, on entend du bruit. Fucking is aimé, man, avec tes screen jumps. J'étais à 4 degrés, 3 degrés. Jack Wilson. Jack Wilson. Ouais, je sais pas si V marche aussi. En tout cas, je fais que je fais les deux. Là. Jack Wilson, Jack Wilson. Jack Wilson, Jack Wilson. Chris, elle m'a fini par le pogner, c'est ça. Mm-hmm. Puis ton MF, il donne à rien. Il est à terre. Ouais, toujours à 1. Non, il bip quand il est dans le tapis. Ok. Jack Wilson, Jack Wilson, Jack Wilson, Jack Wilson. Chris, à un moment donné, il va s'en venir. Je vais essayer de le dire. Oh, on l'a vu passer. Je vais essayer de le dire en français. Jack Wilson. Oh, un orbe. Il y a un orbe. Un fucking orbe, ça a pas descendu en bas de 4 degrés. J'ai checké. Oh, oh, oh. 8, 7, 6, il fuck. Ah, il est devant nous. Oh, l'électricité. Ouais. Ça ressemble à un Raiju. Il était à la côté, à côté de la porte. Ouais, ou que la porte a ferme, là, ou qu'il nous enferme avec lui. Tu veux que je réessaye à le nommer? Il vient de le passer. Non, c'est bon. Oh. Ben, on le crucifie, t'es encore à terre, mais... Mais t'as-tu réussi à le prendre en photo? Ouais, je peux plus prendre de photos. Ok. Thermomètre, il a fucké, mais il a jamais descendu en bas de 3 degrés. Oh, il a bougé le livre. D'après moi, il a écrit dans le livre. Le livre vient de bouger. Ouais. Fait qu'on va aller le chercher. Fait que ramasse tes affaires. Ouais. Oh, oh, oh. Il est derrière moi. Il est là, il est dans ma face. Et Chris, une chance, j'ai le crucifix d'un man. Moi, j'étais calice. Puis oui, il a écrit dans le livre. Oui, je l'ai vu. Fucking fantôme de merde. Ouh! Un petit stress là-dessus. Mais c'était pas une chasse, mais j'ai droppé mon thermomètre à terre. Tout est sorti, puis il s'est mis à marcher sur moi. Là, j'ai pris le crucifix de suite. J'allais sortir, puis arrêté. J'étais comme t'es mon tabarnak. Bon. Orbe, c'est clairement le vu. Projecteur, écriture fantomatique, donc c'est un taillé. EMF, il a jamais monté. Empreinte, on n'a pas. Température, on n'a pas. Spirit Box non plus. Fait que moi, je vois qu'un taillé en bas à droite. Ouais, fait qu'on a eu vraiment projecteur, orbe, puis écriture. Ouais, puis on assiste à un événement, mais il n'y a jamais été une bougie. Ok, fait que toi, t'es good avec ça? Ouais. Perfect. Fait que là, ça devrait être bon cette fois-ci. Ouais, puis moi je suis resté là parce que au lieu de prendre le crucifix, je venais de dropper mon thermomètre. Je suis attends, on va reprendre le thermomètre. Tout se met à flasher, je suis comme calisse, ramasse. J'ai juste eu le temps de vue, ah, il y a quoi écrit dans le livre, puis je suis parti. Oh, on l'a eu, nice job, ouais, taillé. Fait qu'on a eu ça, objectif 3, 4, photographie, tu l'as eu, nice job, 25$. Plus l'os, fait qu'on a fait plein de cash, 65$. Oh, on a débloqué les cartes de taille moyenne et débloqué la lampe de poche puissante. Fait qu'elle pogne plus loin la lampe de poche. Il n'y a pas eu de chasse finalement, il nous a juste trollé solide. Ouais. Oh, 70$, qu'est-ce que j'achète avec ça? Avec 100$. Je me peux plus. caméra frontale, non, niveau 8. Briquet, détecteur de mouvement, ça fait quoi? Détecter les présences les plus subtiles de l'environnement. Détecteur est lié en direct à la carte dans votre camion. Ah ouais? Fait que si on regarde la carte, on peut voir que c'est passé un camion. Fait que quelqu'un qui reste dans la van, c'est pratique. Ça, c'est bon si on est au moins 3 ou 4.
Appareil photo, bâton d'encens, microphone parabolique. Version portable du capteur sonore. Ok, microphone parabolique, on peut pogner son au travail des murs. Quoi d'autre? Capteur sonore. Il est juste bon pour les grosses maps. Ouais, lampe de poche puissante, c'est 50$. La version améliorée de la lampe de poche conçue pour vous aider dans les grandes zones lorsque les lumières s'éteignent. Fait qu'on voit beaucoup mieux avec ça. Je pourrais acheter plusieurs affaires en fait, là, aussi. Tu sais, je pourrais pogner, mettons, un trépied qui est 25. Il va me rester 45. Elle sait pas. Trop de cash. Elle sait pas. Lecteur EMF, en avoir deux, mais c'est pas Là, soit j'ai important. racheté ma caméra, fait qu'on va avoir deux caméras. Ok. Caméra front. Non, ça c'est pas tout de suite. Bottom lumineux, lampe de poche. Écoute, j'hésite. Je vais y aller avec la lampe de poche frontale. Lampe de poche puissante. Je sais pas. Non, je vais acheter deux trépieds, tiens. J'ai deux Un trépieds, je trépied. vais acheter la lampe de poche puissante. On va Ok. l'essayer, voir. Là, j'ai acheté un trépied. C'est ça, il me reste 45. J'achète-tu un deuxième trépied ou. Ok, quoi Bon, d'autre? on va en Lampe de mettre un poche, sur qu'est-ce un que j'ai? trépied, puis l'autre, on peut le mettre sur le coin. Ouais. Lampe UV. Lampe UV, non, ça je m'en fous. Thermomètre, Redbox, livre d'écriture. Ça, c'est pratique d'en mettre plein partout, c'est plus facile. Lecteur EMF. Écoute, non, je vais acheter deux trépieds, tiens, ça va être fait, là. Tiens, il me reste 20$, fait que je verrai après. Ok. Fait que toi, t'as ajouté toutes tes affaires. C'est quoi? Caméra vidéo 2 sur 6, ouais. On restait-tu la même maison? Je checkais, j'ai besoin d'acheter de quoi d'autre avec l'argent que j'ai. On devrait être correct. Pieds aimés, le jeu te tente pas? Parfait, lampe de poche ajoutée. Parfait. Fait qu'on y va avec ça. J'ai repris la même maison, là. Ah, on est pas pire. Notre deuxième fois qu'on réussit. Pourquoi ça te tente pas, les aimés? T'aimes pas s'enquêter ou t'as des. T'as du stress de temps en temps? Faire marcher un fantôme dans le sel. On va mettre du sel partout. Prenant photo du fantôme. Trouver des preuves paranormales avec un lecteur EMF. Il s'appelle Kenny White. Il répond aux personnes qui sont seules. Ok, c'est ça. Ok, fait que lampe de poche puissante, c'est celle-là que t'as pris, j'imagine. Lampe de poche est faite. Je vais prendre le thermomètre. Si tu veux pogner au Ouais. P le lecteur EMF. Pi, ça, check ben, il y a un truc pour ça. Voyons, c'est comment qu'on le prend, ça. Oups, pas ça que je voulais. Ça comme ça. Bon, ça je vais faire. Fait que je vais les installer tout de suite sur les trépieds. Là, moi, je vais prendre ça. Bon. Ah, ok, le trépied, je suis obligé de le tenir dans mes mains. Ouais. Ok, fait qu'on va pas le prendre tout de suite. On va essayer de trouver un endroit intéressant. Attends, je vais ramasser le lecteur dot. T'es trop stressé, mais je suis même plus capable de le dire. T'es trop stressé. Ouais, c'est correct ça, la gang. T'as le droit de rester dans le camion puis nous aider à distance. Hein. Avec les autres affaires, tu peux voir plein de trucs à un opérateur radio. On voit que le breaker est dans le garage cette fois-ci. Ok, fait que lampe de poche, dot, thermomètre. Fait qu'on va essayer de trouver l'endroit qui est. Je vais mettre le lecteur dot. Une fois que c'est fait, on reviendra chercher rapidement les caméras pour mettre un angle intéressant. On crissera le livre là-bas, puis du sel, puis après ça, on attend. Ok, Ouais, c'est bon. fait que c'est ça, c'est le même. Ben, je vais m'en aller tout ça se faire le garage puis tout ça. Ok. Ben, on va Ça suivre, parce que arrive. des fois, ça se peut que un pogne pas. Tu sais, comme il n'y a pas de MF, mais que la température, ça pogne. Non, pas peut-être. Tiens, on va faire les pièces. Tu veux faire les grosses pièces ou les petites pièces? Peu importe, là. T'as-tu une caméra ou sinon on reviendra en arrière pour Ouais, les j'en ai une. photos? Ok, ça te fait 17. Rien là-dedans. 13, oh, 12, 21. Courant d'air. Oh, c'est toi ça?
Ouais, dans la chambre. Dans... Ok, 7, ouais. Moi j'ai 17, 11, 12, 16, pas grand chose. Pas 6, 7. Mon loin hier. Ouais. Mais il y a pas 6, 7. Ok, tu caches chambre 7. À la date j'ai 19. 15, hop. 20, 17. 15, 18. Ouais, ça ne drop pas en bas de 15. À date, c'est vraiment la petite chambre qui a le plus bougé. Là. C'était quelque chose? Non. 23, Chris fait chaud. Attends, on va aller dans le garage. Le breaker est ici au besoin. 15, 19. Oh, ouais, prends une photo. Je vais le ramasser après. Parfait, il est ramassé. Ouais, à la date, j'ai fuck all. 21, 19, 22. Ok, fait que c'est pas ici. Il me semble que j'entends un bruit. Peut-être moi qui est fou. Moi, ouais, non. L'horloge. 16. Non, non, un bruit, c'était comme un vent. Bon, on va aller en bas. Ça bouge pas, 20, 17. Oh, une affaire à mouche. 14, 16. C'est des mouches? Même ah, pas, c'est bon. Ah, Ouija. Ah ouais? Je l'ai même pas vu. Ok, je passe à côté. Nice job. Ouais, 15, 20. À la date, c'est vraiment à l'entrée que ça fatigue le plus. Fait qu'on va tout installer au pays proche de la chambre, là, dans le petit couloir, quelque chose. 21, 19. On peut se cacher dans un garde-robe. Ouais. 15, 20, 18, 2. Oh, oh, oh! Il est là, un orbe. Juste un orbe qui m'a spawné en face. Je vais mettre le dot à terre. Ok. Le dot est là. Ouais, direct où que le dot, là, l'orbe est là, dans ta face, littéralement. Okay. Moins 0, moins 0.4. Ok, ouais, on va aller chercher caméra, puis tu le stockes tout. Fait qu'on va pouvoir mettre glacial après. Bon, on le fera, mais qu'on ait fini. Il nous reste combien de temps? Il nous reste une minute. Une minute 40. Je vais mettre le sel. Attends, j'ai pris le sel. Je vais dropper le thermomètre. Je vais pogner la caméra. Oh, pas ça, je voulais. Bon, ok. Ah, fuck. Ok, qu'on va essayer de créer des caméras. On en voit une puis un autre. Mais là qu'on voit la chambre, moi je vais mettre qu'on voit le couloir. Non, moi je vais mettre sur le lit. Ok. Oups. Ouais, faut que tu regardes tout de suite dans la bonne position. Là, je peux pas ramasser, faut que je me crouche. Ouais, faut que tu checkes comme la base du la base du trépied pour la ramasser. Je peux pas monter sur lui. Ouais, on peut pas. Va chier, toi. Ça me fera pas la porte d'en face, mon esti. Ouais, ça a l'air parfait. Moi, j'en ai mis un autre qui regarde dans la chambre au bout du couloir. Okay. Fait qu'on va aller chercher le livre. On va aller mettre le plus d'objets. Anyway, ça va sûrement sur le bord de commencer à. Il nous reste 25 secondes. Ok, fait que je ramasse le livre. C'est pas mal juste ça qui reste. Ça, je n'ai plus besoin. Ok, le livre UV, lampe de poche. Attends, on va ramasser ça en même temps. Peux-tu poser une question? Êtes-vous dangereux? Ouais, non, pas tout de suite. Laisse-moi juste mettre le livre avant. Oh, on a déjà une trace à terre. On va regarder s'il n'y a pas des traces à quelque part. La porte derrière toi est en train de fermer. Quel âge avez-vous? Chris, il est derrière toi l'orbe. C'est juste un orbe là, mais il est derrière toi. Il a fucking spawné où qu'on est. En passant, j'ai pas le crucifix. Hein. Hey, c'est-tu une empreinte ça? J'arrive pas. Ah non, c'est des points verts dedans. Moi, c'est des points verts. Hey man, fucking manque de temps. Quel âge avez-vous? Non. Ça dit qu'il va nous répondre juste si on est seul, par exemple. OP m'a allé chercher le crucifix.
Oh, il y a une porte qui est ouverte. Tabarnak! Fucking is aimé, man. Mais Chris a un autre jumpscare, le calice. Vas-y, je vais lui demander juste qu'il y a quel âge. Ok, j'ai vu des traces de pas un peu partout dans la maison. Tout où j'ai mis du sel, il y a des traces de pas, là. Okay. Je vais aller chercher le crucifix. Quel âge avez-vous? Quel est votre nom? Je te vois au travail de la fenêtre. Ok, je t'en rends rentrer. Je vais dropper le crucifix où que t'es. Il m'a pas répondu quand il est de sortir. Oh, il est passé dans le dot, je l'ai vu. Et nous, on voit l'orbe, là, mais... Je vais mettre le crucifix ici, comme face, parce que je veux qu'il écrive dans le livre au besoin, quoique on est trop serré. Quel âge avez-vous? Super, c'est chien, même moi j'ai jumpé. Ouais, c'est... Il est chien, hein? Il est chien. Dis ce qu'il est chien. Il veut même pas jouer en plus, il dit « je suis trop stressé ». Attends, on va fermer la lumière. Chris m'a encore passé d'en face, tu l'as-tu vu? Non. Ok, ben il m'a passé d'en face. Le crucifix où il est occupé, ça on est correct. Ok, t'as mis le projecteur là, à terre. Ouais, le MF à terre. Ok, fait que... Le bâton dehors. Ok. Ouais, c'est disparu, ouais. Moi, je peux regarder par la fenêtre. Des fois, il fait des traces, ça dit qu'on peut en mettre dans les vitres. Ouais. Quel âge avez-vous? Quel est votre nom? Une question. J'ai l'air fucking creepy, je suis dehors de la maison en train de te checker par la fenêtre, genre. Dis super à Isaimé qui est chien. Pis super, c'est un jeu que t'aimerais jouer? C'est quoi déjà pour ramasser le stock à terre? Si t'as de la place. Je pourrais pas te ramasser mon lecteur à MF. T'as-tu déjà trois objets? Non. Ok, preuve, température glaciale, projecteur dot. C'est un Yuri ou un Oni. On a que deux choix. Orbe fantomatique, ça serait un Yuri si c'est ça. Mais clairement, moi quand je le regardais, c'était un fucking orbe qui me passait dans la face. Là. C'était un gros orbe, un gros point blanc. Okay. Moi j'ai goût de dire que c'est ça. Ou sinon, il nous reste quoi d'autre? Il nous reste les empreintes que j'ai pas vues. Puis j'ai mis température glaciale parce qu'on est tombé en bas de zéro. Ok. On les voit les orbes de toute façon. Je regarde la chambre. Là. On les voit les orbes là. Ouais, j'ai tout fermé. Je t'ai vu passer dehors, c'est pas une drôle. Ouais. Puis les traces de pas à terre, mais j'ai pas vu de traces. On peut check la caméra. Ben les caméras. Fait que température glaciale, je l'ai mis. Projecteur dot, je l'ai mis. Orbe, si je le mets, ça donnera un Yuré. Un Yuré, on parle de. Yuré. L'entité qui est revenue dans le monde physique avec une optique de vengeance par Purin, ils ont une forte influence sur la santé mentale. On est encore très haut. Brûler de l'encens sur le lieu de son décès piégera le Yuré temporairement et réduira sa capacité à se déplacer. Bon. Toi, super, non, t'as pas envie de jouer, je suis trop moon. T'es correct. Ezemé aussi, il dit qu'il est trop moon. On a deux objectifs. Caméra, là. Oh, on le voit passer dans la caméra. Ouais. On l'a vu passer. Au pire, essaye. On va essayer, pas de noir. De même. Les traces de sel, on l'a eu. Des preuves avec un EMF, on l'a eu. Il reste à prendre une photo du fantôme. Qu'on peut s'essayer. Non, EMF, on l'a pas eu. Non, mais il s'est fait ça. Non, ce que je veux dire, c'est les objectifs. Il y a eu de quoi sur l'EMF. Il s'est oui, fait ça. Fait quoi? Température glaciale tombe en bas de zéro, fait que je serais porté à dire que c'est glacial. Si je me fie à Joigny en bas de 8 degrés, c'est glacial. Mais ouais. Fait que. Tu veux t'essayer avec les photos? Yes sir. Okay. De toute façon, comme je dis, le. Voyons. Le crucifix est à terre, c'est quelque chose. Là. Il était où déjà? Direct avant de rentrer dans la chambre, là, il était là. Puis tu checkeras sur le livre. Je sais pas si ça peut empêcher le. L'entité de bouger, je pense. Ouais, c'est juste une attaque. Ok, je suis à 2. J'ai rentré. À 2, tu parles de quoi, non? Ouais, le lecteur AMF, il sonnait. Ah, ok. Moi, j'étais à moins 4. Moins 8. Ah. Moins 8, ouais. Oh, moins 5. La porte devant moi, la toilette. T'as pas le lecteur. T'as pas la lampe de poche pour les empreintes digitales? Moi, je l'ai. Ouais.
Elle est en plein milieu de la porte normalement, quand il y en a une. Bon, elle devrait être là. Je vais fuck all. Ouais. De toute façon, à date, tu es crucifié entre nous autres, mais. Fait que non, il est dans la salle de bain. Parce qu'il jouait avec la porte de la salle de bain. Hein. C'est moi qui ai fermé la lumière. Là. Ouais. Pis y'a rien sur le livre. Tabarnak, j'ai vu ta face de proche, man. Ouais, j'essaie juste de. Le MF. Ouais, je vais essayer de parler, ouais. Es-tu là? Es-tu là? Mais c'est ça, j'ai tombé à moins 8, fait que clairement, on peut mettre. Oh, on est revenu à moins 8, moins 6, où que je suis? Oh, 18, tabarnak. Ok, il est exactement où qu'on est. Direct où qu'on est, c'est comme moins 6. 12, 18, non, pas dans la salle de bain. 14. Dans le fond, c'est toi qui es frette. Moins 8, direct où qu'on est. Moins 11. Oh, il est là. Puis il y a une porte qui est fermée. Ça sent l'attaque. Ben, la lampe de poche, elle flash pas. Fait que c'est pas une attaque. Là. C'est juste qu'il est en train de nous troller. Là. Merci, Eugénie. Je l'ai vu popper juste avant que tu. Juste avant que tu le fasses. Je peux-tu prendre une photo de l'écran? Tu peux essayer. Ça marche. Chris, as-tu fini de jouer avec les hosties de pas? On dirait mon gars. Tricheur. Oh! Il y a eu un cri derrière. Oh, il a passé. Il est encore dans la chambre. T'as-tu de quoi en avant sur la porte, ça? Ici? La porte avec... ouais. Celle de la chambre, ça? Ouais, des deux côtés. Chris, c'est avec quoi qu'il joue, les hosties de pas? Non, j'ai rien. Non, mais écoute, on a nos preuves. Yes, sir. Il y a tout le temps un petit sprint avant de sortir, juste quand t'arrives au bord de la porte. Ouais, on est comme, oups, juste au cas où que la porte me fermerait en face. T'es pas supposé checker le chat, j'ai plus de points, c'est plate. Ouais, c'est à force de checker le light, tu vas avoir d'autres points. Mais non, celle-là, je l'ai vue, parce que j'ai vu que ça a juste bougé au-dessus de mes yeux. Fait que orbe, on l'avait, température glaciale, on l'a, projecteur dot, on l'a. Niveau 5, t'as jamais eu niveau 5 ou... Jamais. Ok, empreinte digitale, non. Écriture fantomatique, non. Spirit box, non. Fait que moi, j'y vois qu'un Yuri. Ok. On l'a pas. Empreinte digitale, on l'a pas. Non. Fait que température glaciale, on l'a. Projecteur dot, il a passé dedans plein de fois. Puis orbe fantomatique, je l'ai vu plusieurs fois. Là. Ouais, là, il a fermé la porte. Fait que moi, je vais avec un Yuri. Là. Ben attends, s'il a fermé la porte, on va regarder l'autre point de vue. Là. Ce qui se passe dans la chambre. Mais ouais. Fait que c'est pas mal ça, là. Fait que moi, je vois que le Yuri, toi, t'es d'accord avec ça? Ouais. Perfect. Fait qu'on va avec ça. Est-ce qu'on va l'avoir eu? Pensez-vous qu'on l'a? No chat. Hey, on serait hot. On l'a eu. Est-ce qu'on y a 60$, pas moins de ça. Fait que preuve ADN 10$, photographie 20$, fait que c'est les trucs qu'on a trouvé là, le Ouija puis le crown. Puis on a eu 3 objectifs. Ouais, ça nous aurait donné comme ça, plus des points dans photographie, puis assurance. Je sais pas c'est quoi. Good job, ben merci Elamir, bien sûr. Si tu meurs... Ah ok, ouais, est-ce que ça te coûte pour racheter des trucs là? C'est ça, mais vu qu'on, si on meurt, vu qu'on est au niveau plus facile, ben on a pas besoin de payer pour... récupérer notre stock. Bon, les amis, quand est-ce qu'on a du fun? On a eu. C'est sûr que là, on joue amateur. Là, on vient de débloquer des maps plus grosses. Fait que, puis là, on s'essaie dans les maisons. Mais tu sais, il y a des chalets, il y a des campements, il y a des asiles, il y a des hôpitaux, des prisons, excuse, des écoles, toutes sortes de petits trucs. Là. Vraiment le fun. J'ai 95 piastres. Qu'est-ce que c'est que bon, les amis, caméra frontale, ça sert à rien. On est juste pour l'instant. Caméra frontale, en effet, mais caméra frontale peut être utilisée pour aider les équipes à se suivre et avoir les orbes fantomatiques, ouais. Mais il n'y en a pas une que c'est une lampe de poche. Non, okay, je pensais qu'une lampe de poche frontale.
Bonne soirée, Culture Cultures. Yes, sir. Merci, Zemir. Merci d'être passé. Fait que, de toute façon, je sais que toi, t'as fait des lives de God of War. Tu pensais continuer à en faire cette semaine. Donc, n'hésite pas. On va passer. On est à voir. On va en profiter essayer de faire des scream jumps. fait que, ouais. Fait qu'on y va avec quoi? Il y a des capteurs sonores. Il va falloir un niveau requis 7. On oublie ça. Live samedi avec Agent sur Divinity 2. Venez voir ça. Yes, sir. On continue Divinity 2 à moins d'un empêchement, mais normalement, c'est ce qui est c'est le planning. Lampe de poche puissante pour 50$. Quoi d'autre qui pourrait être intéressant d'avoir pour tout de suite? Pour tout de suite, je pense qu'il n'y a rien d'autre vraiment. Juste on les crucifix, des bougies pour faire des caméras, des affaires supplémentaires. Lecteur dot, ça peut toujours être bon d'en mettre plusieurs dans la maison, mais encore là, faut les voir. Là. Non, je dirais que la lampe ouais, de poche ça. Puissante, ça c'est plus quand on va jouer à plusieurs que ça va être pratique. Ouais. Il me reste 45$, écoute j'ai coulé une caméra, c'était combien? Caméra normale, là. Caméra vidéo 50, bon même pas assez. Garde-le, bon. Ben garde-le là. J'ai ouais. Pas grand chose que je peux acheter non plus là. Ok, ça fait combien de temps qu'on fait le live? Ça fait déjà 1h30. Écoute. On a une bonne soirée. Moi, je pense que ça va s'enligner pour être pas mal la fin. Donc, sur 3 chasses, on a réussi 2. Fait que. Yes, sir. Yes, sir, yes, sir. Fait que, non, ça se passe bien. Fait que, ben, merci. On va faire quitter. Merci, Hawk, d'être passé. On se reprend, ça, c'est sûr. J'espère que le monde que vous avez regardé, vous avez eu du fun. Pas trop peur, surtout à cause de Ezemé qui fout des jumpscares constamment. Fait que je sais pas c'est quand le prochain qu'on va faire de Phasmophobia, mais on va sûrement en faire bientôt. Hey, je vais aller voir tes photos si on voit le fantôme. Oh, on a le Ouija, le crâne. Puis quand il y avait le fantôme derrière la porte, là, t'as pris genre 3 photos de la même place. Ouais. Je pense que c'est la photo floue qu'on le voyait. Ouais, on voit comme un œil là. Fait que c'est ça. Fait que merci à tout le monde. Hawk, mon prêtre a pas crevé à soir. Non, en effet, il est pas mort. On a même pas eu de chasse. On a réussi à trouver toutes nos preuves avant d'avoir une chasse. Fait que là, on est amateur. Fait que ça prouve. Je pense que c'est level 5, là, on est level 4. Je pense que c'est level 5 qu'on débloque intermédiaire. Fait qu'au lieu d'avoir 5 minutes en début de game, on a 2 minutes. Puis, c'est ça. Ça se manifeste un petit peu plus vite. Puis, ça fait de même. Fait que c'est sûr, si on joue à plusieurs, c'est encore mieux. Fait que s'il y en a qui nous regardent, vous avez envie de jouer, n'hésitez pas. S'il y en a qui vous avez aimé, puis vous voulez suivre la chaîne, vous pouvez faire un petit follow aussi. Ça coûte pas cher. C'est un gros 0$ plus taxes. Fait que c'est ça. Fait que merci à tout le monde. On se revoit samedi ou sinon ça va être Ezemir qui va faire le prochain live. Donc merci et bonne fin de soirée.